Mais là, ce que tu dis, c'est que c'est tout le monde peut y avoir accès puis qu'ils vont pas être capables de mettre des gros sous. Mais c'est parce qu'avant, là, ça tu battais, mettons, là, c'était Radio-Canada, TVA Sport, RDS. Mais là, c'est plus ça. Ouais, TQS, ouais. Ça n'importe. Mais là, aujourd'hui, mais là, c'est plus ça. Là, arrive Apple TV, Amazon Prime, Netflix, nomme-les, DAZN. Mais eux, c'est mondial. Comment fait tu... Quand ils vont arriver pour négocier, c'est impossible, tu peux pas. Fait que là, ce qu'il faut... Je pense, dans la façon de faire, puis je suis vraiment pas un expert là-dedans, mais tu sais, j'évolue un peu. Moi, je pense qu'on va créer des partenariats. Un peu comme Apple a fait avec les droits du CF Montréal l'année passée. Il y a de la grogne là-dedans aussi. Bien, c'est sûr qu'il y a de la grogne, parce que là, en fait, les gens étaient habitués de regarder le CF Montréal, exemple, à TVA Sport. Qui paye. Qui paye, qui, eux, perdent les droits au profit d'Apple TV. Mais là, Apple TV a vite compris que, oh, au Québec, on a un problème, ils parlent français. T'sais, on est une petite bulle dans l'univers. Fait que là, OK, il faut trouver une façon. Donc, eux, on fait un partenariat avec RDS. RDS présente quelques matchs pour essayer de... Parce que probablement que M. Saputo est arrivé et qu'il a dit, écoute, c'est important, il faut que mon équipe soit à la télévision. Mais pour du contenu de sport, c'est la compétition est très, très grande. Ah, c'est fou. Par contre, ce que tu as dit tantôt, Yannick, tu as un bon point. Les téléséries au Québec... On est dans un monde à part parce qu'on a nos propres téléséries qui sont écoutées ici. Il y a des... Qui marchent. Puis qui marchent. Ben, des 1,5 million. Quand on est 8 millions au total, là, ça veut dire qu'il y en a du monde ici devant la télé qui écoute une quotidienne. Une quotidienne en télésérie ici. Je crois que les stations généralistes, c'est là-dessus qui font probablement le plus gros de leurs revenus parce que ils attirent des gens qui sont captifs, puis qui restent, puis qui vont leur apporter un certain suivi. Mais eux n'ont pas cette même compétition-là. Il y en a une, mais pas aussi grande que celle de RDS. Non, parce que le sport est mondial. C'est majeur, c'est mondial. Il y a toujours quelque chose, je crois, qui va toujours rester au niveau des médias traditionnels, c'est surtout dans le volet du sport, c'est le direct. Tout à fait. Exact, c'est moi, ça. Moi, personnellement, j'en consomme beaucoup et j'aime bien voir un match en direct et non en rediffusion. Mais encore là, tu vas prendre, tu regardes nos chiffres à RDS, le match canadien, mettons, je ne sais pas moi, un jeudi soir, Canadien-Ottawa, à RDS en direct, je serais curieux de voir combien de gens, de jeunes, de, mettons, 35 ans et moins, là, le regardent en direct sur leur télé. Et non là-dessus ou sur leur tablette. Parce que maintenant, c'est ça, RDS direct, c'est que tu as le match en direct, mais tu n'es pas obligé de le regarder sur la télé, tu peux l'écouter sur ton téléphone. Puis en même temps, c'est fou. Là. Un autre point, tu as le match, mais tu as aussi, même avec RDS, une autre façon de voir la game, où là, on te présente d'autres choses. Avec des analyses. Avec des analyses, puis il y en a qui vont prendre ça, il y en a d'autres qui vont prendre... On est vraiment comme ça. C'est la beauté ça. Du numérique. Je pense que ça permet aussi, un peu comme si on était dans un buffet où chacun prend ce que lui a le goût. Aujourd'hui, c'est comme Sylvain dit. C'est que là, on te donne un buffet, puis mange ce qui te tente. C'est le goût de manger du Thaïlandais, des mets canadiens, tu sais. C'est pas méchant. C'est juste que c'est sûr que dans une industrie comme celle de la télé conventionnelle, c'est épeurant un peu. Mais faut se réinventer. Là, en parlant de réinventer, on va rentrer un peu dans la psychologie au niveau de votre job. Comment on deal avec ça, cette transformation-là, ou ces nouveaux outils-là qui vous sont... est-ce qu'on parle de stress? Je commence, puis après ça, je vais laisser aller mon psy. Votre job est-tu en péril à court moyen terme? Avant, tu faisais une carrière en télévision comme animateur. T'étais là à vie, là, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, là. Aujourd'hui, c'est les budgets, puis c'est des grosses compagnies qui gèrent ça. Fait que, tu sais, on est assis sur un fil d'affaires à chaque année, là. Très éphémère. Ben oui, regarde, Enjeu 2.0, c'est le plus bel exemple. L'émission que j'ai animée avec André Roy, on a fait ça pendant 11 ans. 10 saisons originales, plus une saison, on faisait des capsules à l'antichambre. L'émission n'est pas partie parce qu'elle marche, elle fonctionne un peu. Les codes d'écoute étaient excellentes. Les commanditaires étaient là. Tout était parfait. Pourquoi qu'on n'est plus là? Coupeur de budget. Parce que c'est un show qui coûtait plus cher à produire. Ils ont coupé le budget. Aller dans les villes. Depuis la pandémie, les coûts d'hôtel, les coûts d'avion, l'échange du dollar américain, tout ça, quand tu penses à ça... C'est vrai qu'on pense pas à ça. Non, mais ça coûte une fortune. Là. Moi, je le sais. C'est pour ça qu'il y a plein de chaudes chaises. Des chaudes chaises parce que ça coûte pas cher. Exact. Mais moi, je pense que
ça nous a forcé à changer notre façon de faire, notre façon de travailler. Moi, je dis tout le temps, dans la vie, puis moi, je suis comme ça aussi, là, tu sais, on est bien dans nos pantoufles, hein? Quand, dans notre zone de confort, Sylvain, quand on te sort de ta zone de confort, si tu es capable de t'adapter, puis tu es capable de passer par-dessus ça, tu vas réussir, ça va marcher. Ouais. Tu vas passer au travers. Un peu ce que moi j'ai fait avec Onjase. T'sais, ça me sortait de ma zone de confort. Là. Puis là, au début, je trouvais ça difficile de ne pas être RDS, de ne pas faire ça en studio. T'sais, moi, j'étais habitué avec une équipe, des caméramans, puis la maquilleuse qui vient pendant les pauses. Hey, c'est plus ça. Là, c'est quoi? Je fais ça tout seul chez nous là, le matin. Là. Mm. Ça 11h30, je mets ma petite poudre pour le reflet de lumière tout seul. On là. Continue à mettre de la petite ben oui, là, parce que le reflet important. De lumière, puis là. Je plug toutes mes affaires tout seul. Là. Moi, avant, là, j'arrivais dans un studio comme ici, là, m'installais, le technicien mettait le micro, puis go, je parle. C'est pour ça, là. T'sais, fait que c'est la capacité d'adaptation. Je pense que c'est un peu ça, Sylvain, la recette. Je pense que c'est ça, puis c'est aussi différent parce qu'à la télé, tu as des gens bon, qui sont derrière. Ça nous fait autant de peine pour eux, là, parce qu'on pense souvent aux gens qu'on voit et qu'on connaît. Mais quand la télé diminue, ces gens-là aussi diminuent dans leur travail. Puis ça, c'est triste parce qu'on les aime, ces gens-là, nous autres, profondément. S'ils ne sont pas là, on n'est pas là. L'autre point, c'est qu'en onde, il y a des gens qui sont des spécialistes d'être en onde, qui sont des animateurs, qui sont des gens de télé comme Yannick. Puis il y a des gens comme moi qui amènent à Yannick du contenu dans lequel on veut échanger. Ouais. Ça, mon rôle, à moi, il est différent. Fait que moi... Je ne suis pas attaché. On va me demander d'aller parler sur certaines tribunes. Je vais faire LCN. Des fois, c'était avec. Ça peut être à Radio-Canada. Je peux aller un peu partout. Puis à RDS, mais c'est là. Parce que moi, je peux pas. C'est là. Lui, il ne peut pas parce qu'il est identifié. C'est ça. Puis, mais même à l'époque, tu te souviens, quand j'avais fait la série Montréal-Québec, ça avait été compliqué parce que moi, j'étais avec RDS. Puis il y avait une grosse guerre avec TVA. Puis, merci. Tu m'avais aidé beaucoup pour que RDS accepte que j'aille faire ça. Mais ça avait été compliqué. Puis même si je n'étais pas identifié 100% RDS, j'avais quand même une partie que j'étais très impliqué. Puis grâce à Yannick, moi, j'ai eu une expérience de fou. Là. J'ai embarqué avec les Olympiques. Donc, j'ai fait les Olympiques de 2010-2012, où je faisais des capsules de biomécanique. C'est un bon point, ça, parce que les capsules avaient été faites à Toronto. En fait, ça devait être monté à Toronto. Ils ont fait une partie, puis ils ont dit non, nous autres, au Québec, ça doit être fait par quelqu'un qui est québécois. Puis ça m'a donné la chance, moi, d'aller à Toronto, de monter les capsules, puis de le faire. C'est chanceux d'avoir été à Toronto. Oui, ta gueule. Mais on a monté les capsules. Cette valeur, ça reste à tempo. Hein? Les beaux voyages, t'as été fait, Yannick. C'est vrai. Et on a fait ça, mais ça m'a permis parce que RDS est différent. Parce que si ça avait été c'est la langue. Anglophone, non, oui, ça n'aurait pas toi qu'ils auraient fait. Ça n'aurait pas été moi qu'ils auraient fait, qu'il aurait pris quelqu'un de l'extérieur. Donc, j'ai eu cette chance-là. Puis ben, on a toujours... Cette chance-là était grâce à Yannick. Moi, je peux dire quelque chose. On est ici de la région. Là. Yannick, il y a énormément de gens qui se sont retrouvés à la télé puis un peu partout à shiner à cause de lui. Puis si je vous disais tous les noms, vous tomberiez à terre. Tout pour soin de mon monde. Tout peu. Le temps. Ah, ouais. Yannick, c'est quand non, il arrive en quelque part, il arrive. C'est correct. Il amène sa gang, oui, puis il est crédible. Puis quand il dit quelque chose, les gens vont l'écouter parce qu'ils savent qu'il a fait ses devoirs. Mais je veux juste nuancer ça, puis c'est correct, je l'apprécie, Sylvain. Mais je dis tout le temps, c'est pas parce qu'il y a de Sorel qui est là. C'est d'abord parce qu'il est compétent. C'est puis ça donne qu'on vient de la même place. Ouais. Tu sais, Patrice. Ben oui, il y a ça. Quelqu'un qui tu sais, je ne prendrais pas quelqu'un juste parce qu'il vient de mon coin. Non, non. C'est parce qu'il est d'abord compétent, il a son champ d'expertise, puis ensuite, ben, drôle d'adon, on vient du même coin.